How many Bible stories do you know? Combien d'histoires de la Bible est-ce que tu maîtrises? How much of the Bible do you have in your heart? Combien de la parole as-tu caché dans ton cœur? We have reduced Christian standards. Nous avons réduit les standards chrétiens. Then we cannot, then it means that we cannot have competent followers. On our way to the meeting. Sur notre chemin de la réunion, sur le chemin de la réunion. Michel told me. Monsieur Michel m'a dit. He is beginning to see the importance of reading his Bible at least 3 times a day. Il est en train de voir, il commence à voir l'importance de lire sa Bible au moins 3 fois par an. In my heart, I said yes. Yes, I'm listening. Pour que je dis oui, frère, tu as commencé à voir. When he said that, you know, I did not respond. As a young believer, en tant que jeune croyant, I had a ruthless commitment to memorize the Bible. J'avais un engagement effréné à mémoriser la parole. In fact, more than 80% of the Bible passages I know now are memorized by the Bible. En fait, plus de 80% des passages de la Bible que je mémorise à ce moment, je les ai mémorisés. I was ruthless in my memorization. It is not possible to fill a child with the word of God and the child grows up and backslides. Ce n'est pas possible de saturer un enfant avec la parole de Dieu. Et que cet enfant, quand il grandit, and the child grows up and is confused between Jesus and Mohammed. Et quand l'enfant grandit, il est confus entre Jésus, Mohammed, Bouddha et tout ça. Ce n'est pas possible. That, listen, écoutez, you are sitting here. Tu t'assises. And you have a problem with sin. Et tu as un problème avec le péché. I want you to check your Bible. Je veux que tu examines la lecture de la Bible. Tu vas voir que ta vie de lecture de la Bible est pauvre. It's pauvre. Et pauvre. If you are sitting here, si tu es assis ici, I have problem leading people to Christ. Et si tu as des problèmes à conduire ta vie, examine ta vie de l'extérieur. Elle est pauvre. You don't even meditate on it. Tu ne médites même pas. Because many of the brethren who came out here tried to recite Joshua chapter 1 verse 8. Parce que plusieurs des frères qui sont venus ici ont essayé de réciter Josué chapitre 1 verset 8. And Psalm 1. Et Psalm chapitre 1 verset 1 du 3. De 1 à 3. Because Bible meditation. Parce que la méditation biblique. Let this book of the law not depart from your mouth, but thou shalt meditate upon it day and night. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite le jour et nuit. It gives two things to the Christian. Cela produit deux choses dans la vie du Number Christian. One, la première chose, success. Le succès. Number two, le deuxième, la prospérité. La prospérité. So any believer who wants to succeed, Bible meditation should never be compromised. Donc tout croyant qui veut réussir dans la méditation de la Bible, il ne doit pas se compromettre avec le fait de méditer la parole. The Lord told Joshua, le Seigneur avait dit à Joshua, if you meditate upon my word, que si tu médites sur ma parole, and obey what he says, et que tu obéis, you'll be prosperous. Tu vas prospérer. You will succeed. Tu vas réussir. So a believer who wants to be prosperous, who wants to succeed, donc un croyant qui veut être prospère, qui veut réussir, and doesn't meditate on the word. Et ne médite pas. And obey the word. Et obéir à la parole. Success will be far. Le succès sera loin. Prosperity will be far from me. La prospérité sera loin de lui. Oh, brother Zach used to tell us. Le frère Zach avait l'habitude de nous dire. Brethren, frère, if you take a knife and cut me, si vous prenez un couteau et que vous me coupez, every drop of my blood, chaque goutte de mon sang, le sait, m'a dit, Zach for me. Les rencontres dynamiques au quotidien. Mais chaque goutte de mon sang, m'a dit, Zach for me. Les rencontres dynamiques au quotidien. Did
Do we wonder where we are when we ask in ministry? Est-ce que cela est étonnant que nous soyons où nous sommes en tant que ministère? Bible meditation and obedience bring success and prosperity. La méditation de la Bible et l'obéissance apporte le succès et la prospérité. According to Joshua 1:8. Selon Josué chapitre 1 verset 8. So we have said. Donc nous avons dit. Bible reading. Que la lecture de la Bible produces a heart's disposition to God. Produit une bonne disposition du cœur vis-à-vis de Dieu. Bible memorization. La mémorisation de la Bible. Brings sanctification. Apporte la sanctification. Bible study. L'étude de la Bible. Produces a Christian worker. Produit un ouvrier chrétien. Bible meditation. La méditation de la Bible. Brings success and prosperity. Apporte le succès et la prospérité au croyant. According to Joshua chapter 1 verse 8, Psalm 1 verse 3. Selon Josué chapitre 1 verset 8 et Somme 100. Somme 1 verset 8. L'apôtre Paul told Timothée. L'apôtre Paul a dit à Timothée. And 2 Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12.
C'est pas ça, nice aussi. Il m'a dit, pasteur, je veux te voir. Donc je lui donnais un rendez-vous dans le monde. Il est là. Il m'a dit, c'est sa vie. Depuis que j'ai cru, I keep going on the internet. Je vais toujours sur internet chercher des messages. Ainsi, ça a commencé avec moi. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, my life has become. I've known so many things. J'ai ma vie devenue. J'ai connu des femmes d'échecs. Je lui ai dit, est-ce que tu as une Bible, j'ai dit. Donc il a dit. Donc je lui ai dit, ouvrons Ecclésiaste. Chapitre 12. Ouvrez vos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 12. I'm begging God. Je suis en train de supplier Dieu. That what we are saying today, we find place now. Que cela que nous sommes en train de dire aujourd'hui trouve une place dans votre vie. You will find it very simple. Et vous pourrez le trouver très simple, frère. In application, you will discover how deep this is. Mais dans l'application, vous allez découvrir combien profond est-ce que cela est. The verses are different in the French Bible. Les versets sont en décalé dans la version française. It's supposed to be Ecclesiastes 12 or verse 9, but I think in the French Bible it's maybe verse 11. Et c'est normalement, c'est supposé Ecclesiastes 12, verset 9, mais dans la version française, je pense que c'est Ecclesiastes 12, partie verset 11. Read verse 11. Ecclesiastes 12, le verset 11. Outre que l'Ecclesiastes fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Maintenant, the next verse. Maintenant, le verset 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Thank you. Merci. The preacher says, le prédit, l'Ecclésiaste dit, in verse 13, au verset 13, in the English Bible is verse 11, et au verset, dans la version anglaise, c'est le verset 11, the words of the wise are like goats. Que les paroles des sages sont comme des aiguillons. What are goats? Qu'est-ce que les aiguillons? Who knows what goats are? Qui sait ce que c'est qu'un aiguillon? Now you have seen a horse. Vous avez vu un cheval, n'est-ce pas? You know what they put on the mouth of the horse? Où est-ce qu'on met dans la le mort sur la bouche du cheval? They are called goats. On appelle ça des aiguillons. One of the things it does is that it gives the horse a direction. Une des choses que ça produit, c'est que ça donne au cheval une direction. The horse must go forward. Le cheval doit avancer. If the horse turns to the left when the rider wants it to go forward, there are pricks to prick the thing, to prick the horse. Si so le the cheval, horse come back to the direction. Si le cheval veut aller à droite alors que celui qui le conduit à gauche, alors que celui qui le conduit va avancer, il y a des petites pèse là. Qui that brings the horse back. Qui le ramène sur la direction. So the preacher says, dans le prédicateur, the words of the wise, que les paroles des sages, gives direction, donne une direction. Then he says, ensuite il dit, they are like nails, les points, les points, ils sont comme des points. Elles sont comme des clous plantés. Des clous plantés. When a nail is fixed, quand un clou a déjà été fixé, does it keep moving? Est-ce que ça continue de bouger? You use nail in order to fix
fix the structure on the wall. On utilise des clous pour fixer une structure sur le mur, n'est-ce pas? Given by one, donné par un seul. The French version says met. La version française dit. The English version says by one shepherd. La version anglaise dit par un seul berger. One shepherd. Un seul berger. The message of one shepherd produces two things. Le message d'un seul berger produit deux choses. One. La première chose. Direction. La direction. Two. Deux. Stabilité. La stabilité. Did you hear that? Est-ce que vous avez compris? It produces two things. Ça produit deux choses. Direction. La direction. And stability. Et la stabilité. Direction. La direction. And stability. La stabilité. Direction. La direction. And stability. La stabilité. When I said this to the brother, quand j'ai dit ceci au frère, he said, Pastor, il m'a dit, Pastor, il m'a donné. Quand j'ai dit ceci au frère, qui était venu me voir, il m'a dit, Pastor, today, aujourd'hui, I understand my problem. Je comprends quel est mon problème. I go on the internet. Je vais sur internet. I look for this message. Je cherche ce pasteur là. Then I check this other après, message. Après, je recherche un autre prédicateur. Then I realize that they are saying different things and I don't know which one to follow. Et ensuite, je me rends compte qu'ils disent des choses différentes et je suis confus, ne sachant pas laquelle suivre. One shepherd, un seul berger. One message, un seul message. Direction, donc la direction stabilise et stabilise. Notre Dieu, notre Père, notre bénissant, pour ta parole. Parce que nous te rendons grâce, oh Dieu, de ce que tu veux guérir, de ce que tu veux donner la direction à plusieurs ici, Seigneur, de ce que tu veux diriger. Oh notre Dieu, béni sois-tu, pour ton grand amour, oh Dieu. Je te bénis parce que tu veux sauver plusieurs de la ruine, Seigneur. À toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi l'honneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Et nous prions que ta parole soit gravée dans les cœurs à ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.